Veuillez vous asseoir. Oh,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et pour le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Thank you.
et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Corentin, Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque Jean-Marie, l'ensemble des évêques, Corentin, Daniel et Stevenson, qui viennent d'être ordonnés prêtres et diacres, les autres prêtres et les autres diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde,
et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par nous, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout le Père et tout le gloire, pour les siècles des siècles. La prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
êtes au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Prions le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ces nouveaux ordonnés toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, à la fin de cette magnifique célébration, il convient que je donne à ces nouveaux ordonnés leur nomination pour les années qui viennent. Donc Daniel, par les présents, je te nomme coopérateur dans les paroisses du doyenné de Morlaix-Trégol, avec tous les pouvoirs, droits et obligations que comporte cette charge, selon le droit de l'Église. Tu résideras au presbytère Sainte-Hélène de Morlaix. Cette nomination prendra effet le 1er septembre, mais je te donne dès aujourd'hui les facultés à entendre les confessions. Tu rejoindras Morlaix le père Yves Laurent, qui est le curé doyen, et également
le Père Daniel Saint-Martin, qui sera nommé aussi à vos côtés dans ce projet. Fait partie de la Société des prêtres de Saint-Jacques, je te nomme par les présentes avec l'autorisation de tes supérieurs, coopérateurs dans les ensembles paroissiaux de Landerneau, La Forêt-Landerneau, Abermorvic, Dirinon-Pincran et Plateau de Coudiry. Avec tous les pouvoirs, droits et obligations que comporte cette charge selon le droit de l'Église, tu résideras au presbytère de Landerneau. Cette nomination prendra effet le 1er septembre, mais je te donne dès aujourd'hui les facultés d'entendre les confessions. Tu y rejoindras le père François Calvez, qui sera nommé aussi au 1er septembre le nouveau curé doyen de ce doyenné. Pendant l'année qui vient, tu es toujours séminariste, tu accompliras cette année, cette dernière année de séminaire au séminaire Saint-Yves de Rennes. Ta paroisse d'insertion pendant ce temps sera la paroisse, l'ensemble paroissial pardon, de Quimper-Rive-Gauche, Ergue-Armel, Sainte-Thérèse, Lotte-Maria, Ergue-Gabéric. Tu seras sous la responsabilité d'un nouveau curé, le père Michael Leroux, qui sera nommé aussi au 1er septembre. Stéphane Le Seul, le curé actuel de cet ensemble paroissial, sera lui nommé vicaire épiscopal pour la jeunesse, ainsi que responsable du service des vocations et coopérateur pour le doyenné de l'Andivisio. Chers amis, avant que ces nouveaux ordonnés s'adressent à vous pour la première fois dans leur ministère, je voudrais remercier en leur nom et au nom de tout notre diocèse tous ceux qui, bien sûr, ont préparé cette célébration splendide. Je voudrais remercier aussi leurs familles qui les ont accompagnés et qui, d'une certaine façon, ont aussi accepté de les donner à l'Église. Merci pour ce don, merci pour tout le travail que vous avez effectué pour leur humanité durant, et leur vie chrétienne durant toutes ces années. Je salue tout spécialement les parents de Stevenson qui sont venus avec leur famille de loin pour être avec nous. Merci beaucoup d'être là. Je veux remercier la Société des prêtres de Saint-Jacques pour ce don qui est fait à notre Église. Merci aussi au séminaire Saint-Yves et à la maison de la Strada à Bruxelles. Cher Père, vous qui êtes les supérieurs de cette maison, vous savez la confiance que nous avons en vous dans la formation de nos prêtres. Je vous charge de transmettre mes salutations, mes remerciements et cette confiance aux membres de vos équipes. Merci en pile en pile. In us doing, mami. À la fin de cette célébration, nous ne pouvons pas ne pas dire merci. Merci à Dieu, tout d'abord, qui nous a façonnés et qui façonne sans cesse son Église,
Merci à vous, Monseigneur, qui nous avez appelés à être ordonnés et qui aujourd'hui nous avez ordonnés diacres et prêtres. Merci aux prêtres du séminaire Saint-Yves, aux pères de Saint-Jacques, aux prêtres de la maison Notre-Dame de la Strada. Merci aussi aux prêtres de nos paroisses de nous avoir accompagnés et formés avec patience et discernement jusqu'à maintenant. Merci, Père Saint-Jacques, pour nous bandouillons paix dans diocèse louant. Merci également aux séminaristes et à nos équipes d'accompagnement pour ce chemin parcouru ensemble. Merci à vous, diacres et prêtres du diocèse, de nous accueillir parmi vous. La préparation à la prêtrise et au diaconat que nous avons suivie au séminaire avait été en quelque sorte précédée par celle que nous avons assurée, la vie et l'exemple de nos parents. Notre gratitude va surtout à nos papas, nos mamans et aussi à nos grands-parents. Maman, papa, c'est à ton pile qu'est content, moi dis non toute parole, ça y est. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci aux amis venus d'Haïti, de la paroisse Saint-Pierre des Maradères, des amis de Paris, de Bordeaux, de Nantes, de Rennes, d'Espagne, de Bruxelles, du pays de Morlaix, de Quimperlé, de Quimper, des quatre coins du diocèse et d'ailleurs. Merci d'être venus pour ensemble participer à cette belle célébration d'ordination chargée de dynamisme et d'espérance, remplie de grâce et d'émotion. Je trouve cela extraordinaire. À chaque ordination, il y a une impressionnante participation du peuple de Dieu, ce qui montre tout simplement que le peuple de Dieu aime les prêtres, a besoin de prêtres et qu'ils se réjouissent d'avoir des prêtres. Je vois les diacres, particulièrement Corentin, qui me fusille d'un regard. Alors rassurez-vous mes frères, le peuple de Dieu aime les diacres. Prie pour les diacres. Je remercie de tout cœur les jeunes qui se sont retrouvés, pour certains depuis hier soir, pour d'autres ce matin, aujourd'hui même. Merci pour votre participation joyeuse, enthousiaste et intense. Ces ordinations resteront sans doute comme une expérience inoubliable dans votre vie. Gardez la flamme que Dieu a allumée aujourd'hui en vos cœurs. Faites en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Merci et bravo. Ailleurs guérit d'Aïch et vite truquer éclat dans le mal et aux deux labourés les vite prépare en gouvernement. A Goudari de Orpès, mais la bourre l'eau de deux grès d'ordre à Bleu, d'ordre en diviseur, d'ordre au Renka, l'idée respect la peine, l'ordre de son net, l'ordre de scanner la lénette. A Gol, on est guéri de paix, dit assemblée, ce merci bras et bouton. Merci donc à ceux qui ont participé. Chers amis, à tous, je souhaite un bon retour dans vos paroisses, vos ensembles paroissiaux, vos doyennés. Je fais ici tout spécialement les jeunes très nombreux qui sont venus entourer Daniel, Stevenson et Corentin. Merci vraiment de votre présence et de votre témoignage. Ils ont vécu une grande année de grâce, Pentecôte 2012, trois diacres permanents ordonnés il y a un peu plus d'un mois, deux prêtres et un diacre en vue du sacerdoce ordonné aujourd'hui.
Dieu nous comble, ses grâces, il continue de nous les donner par sa bénédiction. Recevons-la maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre ou de diacre. Dieu a confié au diacre la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité. Qu'il fasse de toi, Corentin, au milieu du monde, un témoin et un ministre de son amour. Et vous, Daniel et Stevenson, ces prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
la content, content, Jésus est maître, Jésus est maître, Jésus est maître, content, content, Jésus est maître, 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 Jésus Alléluia, Jésus seul. Je ne pas qu'elle l'a déjà coupé. Silence.